On va attaquer deux cibles en simultané. On a une équipe d'assaut qui est déjà en route pour la station spatiale de la Fédération. Son objectif, entrer dans la station et prendre le contrôle du système d'armement orbital. Pour leur permettre d'approcher, il faut qu'on détruise le dispositif d'alerte de la station qui est située au sol. Ech, toi et ton équipe, vous vous emparez de leur centre de commandement. Et vous lancez un missile sur la base satellite. Rorke risque d'être dans le secteur, mais ce n'est pas votre priorité. Un bataillon blindé va percer les défenses des fédérés. Attendez-vous à rencontrer une résistance farouche. Si vous réussissez, nos forces dans l'espace auront une chance. Parachute prêt ! Blindé prêt ! Dégagez la zone pour le largage ! Équipage de blindé, deux minutes avant largage. Préparez-vous. Jugez, on entre dans une zone bien défendue par la DCA. On est à moins d'un kilomètre de la ZL. Gardez votre cap, il nous faut ces blindés à la position indiquée. Terminé. Relâche feu vert, préparez tous les systèmes. Bien reçu, Major 2 est prêt. Système d'armement activé. GPS en état de marche. Blindé paré au combat. Bordel ! De ce côté ! Oh non, j'aime pas les missions tank. Ok. Titi n'a pas besoin de missile téléguidé. Merde, chier.
Quoi? Oh non, je suis resté trop statique. Oh, il y a les queues au missile si ça continue. Alors... Attendez, j'arrive pas à le voir. Il y a peut-être moyen que j'y arrive. Juste une question de flemme en fait. J'étais presque. Ah yes. Trop à droite. Ah putain. Cible à 5 heures. Bien reçu, Badger 1-1. Rejoignez le 4e bataillon et foncez vers Echo 3-2. Capture de cible prioritaire en cours à Foxtrot 9. Équipe Ghost active, je répète, les Ghosts sont en route. Site de lancement, droit devant. On sécurise la salle de contrôle et on lance le missile de la Fédération sur la cible. Les joies du pré-shot. Il est temps d'improviser. Signal.
Il y a pas mal la PDW. Je crois que c'est ça s'appelle ça. PDW. Petit pistolet automatique, ça a l'air pas mal. Il est parti où? Ah. Ah putain, la voix du QG, c'est toujours la même dans tous les Call of. Hop là. Équipe de tir bloquée au secteur 3-1, on avance vers la zone de chargement. Bien reçu. C'est le train de rentre, 3 devant. Hop là. Le missile arrive. Envoyez toutes nos forces vers l'objectif principal. Les unités de la compagnie P recevront un appui aérien près des installations. Les canons de DCA vont tout détruire dans le ciel, y compris notre missile. Nos blindés vont devoir détruire ces tourelles. QG, il nous faut un appui aérien au fond. Reçu. Les A10 sont en route. Avancez, Badger 1. Le pont est dégagé. Efficace. Bien reçu, QG. Il est en heure. On va renforcer la porte. Allons, changez. On est dans la zone
La plat. Fuck. Évacuez la zone. Le missile approche de votre position. Je répète, le missile deux, approche. Mène-toi, soldat. Mature 2 non opérationnel, je répète. Mature 2 non opérationnel. Il y a un survivant. On va le chercher. Continue de courir. Wouah, ça j'aime bien par contre. Ah, au moins il a survécu le pilote, hein, c'est cool. J'ai vraiment cru que les scénaristes allaient le faire tuer.